Tête qui bugue, patte qui dégueule. Il y en a qui me regardent et qui disent, ça fait bien 20 kilos qu'on l'a vu, lui. Longtemps, j'ai pensé que mon père était un super-héros. À tous les matins, quand il rushait dans la cuisine, il disait « Je suis super en retard! » Mon père est un super-héros. Il s'appelle Super en retard! C'est quelque chose de bon, je ne suis pas sûr. Arrive sur les lieux du crime. « Ah, je suis super en retard! » Ah, tout le monde est parti. Ah bon. Ah ben. Ben gedon. Hey, big guy! Comment ça va? Faut que quelqu'un aille prendre, non? Pour l'amener dans le Nord, ben c'est, j'aurais bien souhaité que ce soit toi, mais je peux y aller, ou bien on se fait roche-papier-ciseaux, ben oui ça se fait, ça fait des années que je fais ça avec plein de monde, ok, on commence là, ok, roche-papier-ciseaux, qu'est-ce que t'as, papier, ah, tu vois, j'avais ciseaux, ok, je suis bon prince, 2 dans 3, 1, 2, 3, qu'est-ce que t'as, ciseaux, parfait, moi j'ai pétard, ben non, c'est pas nouveau pétard, ça fait longtemps que c'est là pétard. Quand il y a eu, ils font un peu comme la langue française, là, ils font un genre de rehaussement de l'équivalent d'un fido, là, que tu rehausses. Ah, fuck off, là, regarde, oui, ça existe, ça fait longtemps. Là. Bon, ben écoute, on se voit là-bas. OK, salut, bye. Comme dirait l'autre, dans boîte à crayon à couleur, c'est pas le plus aiguisé. Discussion avec Michel. J'ai eu une fois, il fallait que je me fasse vérifier les intestins. Alors j'ai eu ce qu'on appelle une colposcopie. Ben, je pensais que c'était une caméra genre échographie sa bédaine, puis là il check, tu sais. Oh que non! Oh que la caméra est pas externe. En plus, je me suis réveillé pendant l'examen. Ah là, oh mon Dieu, là, j'ai comme senti une douleur dans mon ventre. Ah, what the fuck? Avoir su, je pense que je l'aurais pas fait. C'est une drôle de place pour avoir une caméra, là. Tu sais, dans ma vie, il y a bien des affaires que j'ai eues dans les culs, là, dans le sens que l'expression, je parle, là. Tout de suite. Ah mon Dieu, il se met des affaires dans le la personne qui te met le truc dans le péteux aussi, là. Tu sais, on se connaît pas, hein. On aurait pu avoir un petit souper chandelle avant, quelque chose. Non. Right dans le fion. C'était une expérience, comment je dirais, extrêmement désagréable. C'était discussion avec Michel. Je veux même pas le savoir qu'est-ce que j'ai de l'air quand je jouis. C'est un moment incroyable, l'orgasme. Mais je peux même pas m'imaginer quelle face que j'ai quand je viens. Ça doit être épouvantable. Déjà, quand je pleure, c'est épouvantable. Mais quand je viens, je voudrais pas me voir dans un film porno. Si j'étais acteur d'un film porno, je jouerais avec une cagoule. C'est sûr et certain. Une cagoule sur la tête, puis une cagoule sur mon pénis. Je vous ai parlé d'une capote. Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Pas le film de cul, mais me filmer la face pendant un orgasme. Ça doit être pas loin de l'exorciste. J'en parle de même, ouvertement. Quand on fait le choix d'une adresse Internet, il faut un... Je recommence. Quand on choisit une adresse email, il faut vraiment faire attention à comment vous allez la choisir et comment vous allez l'expliquer aussi. Comme dans mon cas, moi, mon adresse email, elle est très simple, mais très compliquée à expliquer. Mon adresse, c'est t-shirt9@mi.com. Alors, quand je l'explique, mettons quelqu'un
me pose la question, il veut écrire mon adresse. Mettons, T-shirt avec un trait d'union? Non? En T-shirt de même, pas de trait d'union? OK, T-shirt. OK, T-shirt 9. Le chiffre ou le 9, N-E-U-F? Le chiffre. Donc, c'est T-shirt 9. OK? T-shirt 9. Ami.com? Ami.com ou ami.com? Ou ami, ami-s, ami, ami-e, ami... Ah, OK. Donc, at, arabas, mi, mais comme moi en anglais, là. M-E, mi, OK. Comme, ça, comme, on ne peut pas se tromper, hein? Alors, t-shirt 9 at mi.com. Vous comprenez? Faut faire attention. Puis là, ah, pourquoi t-shirt? Courte manche, t-shirt. Mais c'est sûr que avec le temps, on a un commentaire social qui est plus virulent, tu sais, qui exprime. Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ok. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Il y a eu comme quelque chose. Bon, anyway. Alors moi, quand je regarde la classe de politique, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait deux fois là. Non, là, ça va faire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? En quoi? Jump cut. C'est comme une coupure dans l'image sec. OK, on arrête ça, là. Si, Mac. Quand mon père est décédé, il y a, mon Dieu, maintenant un petit peu plus que 12 ans, ça a été un choc beaucoup plus grave que je pensais, parce que j'étais là à l'hôpital quand il a passé de l'autre côté. En me disant ça, je m'ai pris l'envie de piquer une petite jasette avec ma soeur, parce que c'est une fille qui est très croyante. Je dis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec papa? Là? Et puis là, elle me dit, ben écoute, papa, il va être près de toi toute ta vie. Si tu as besoin de lui, il va être là. OK? Qu'est-ce que ça veut dire par « il va être là » Pas physiquement. Non. Ça va être ton ange gardien. Il va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Il est partout, dans tout ce que tu fais. Il va être là. Tout ce que je fais, tout ce que tu fais. Il va être là, puis il va te protéger. OK. Donc, il était là hier et avant-hier? Oui. Oui, c'est aussitôt qu'ils sortent du corps, ils viennent tout de suite accompagner les vivants. Ah, et là, il était là avec moi 24 heures sur 24 à journée longue. Exact. Bon. Est-ce que des fois, il prend un break ou est-tu comme, il un moment donné, est-ce qu'il arrête comme genre dans la salle de bain? Est-ce qu'il est là dans toutes les étapes de mon nettoyage? Oui, OK. Hey, ça t'enlève le goût, hein, de faire des petites affaires. J'ai jamais été capable de regarder ma mère pleurer. Puis, c'est pas parce que elle avait de la peine, puis j'aimais pas qu'elle ait de la peine, puis je savais pas comment la réconforter. Ça n'a rien à voir. Parce que quand elle pleurait, la face, il changeait. Puis elle avait comme une face tout croche. Je suis obligé de dire que c'était comme ça, elle était pas belle. Elle était pas regardable, Simonac. J'étais pas capable de la regarder pleurer. J'étais là, oh mon Dieu, m'as-tu viré en statue de sel? Ah, ah, au secours! Et là, dernièrement, j'ai été pris d'une peine inconsolable et je me suis surpris à me regarder dans le miroir en ayant de la peine. J'avais la même face. T'es épouvantable. Comment tu veux consoler quelqu'un qui a une face de même? M'excuse, maman. Je voulais pas le dire de même, là. Mais faut-il pas, t'es plus tout seul à être laide. T'es ma maman préférée. De la seule maman que j'ai. Voyez-vous, moi, ce qui m'emmerde, là, c'est les gens qui supposent tout le temps que la vraie situation pour eux autres, c'est pas assez. Il faut qu'ils ajoutent ainsi. Ouais, mais
s'il arrive telle affaire, on va mourir. Ouais, mais si blablabla, il va arriver telle affaire. Ouais, mais là, si il est pas là, on va coucher dehors. Ouais, mais là, si il est si, que si ma tante avait des gosses, on l'appellerait mon nom? Oui. On peut-tu vivre la situation comme telle? C'est tout ce que je demande. C'est tout. Et $1 million. La prochaine fois qu'un humoriste monte sur un stage puis qu'il demande aux gens « Êtes-vous en forme? »« Êtes-vous en forme? » Je, personnellement, lui casse la gueule. Oui, ils sont en forme, ils se sont rendus, tu sais. Ils ont parké le char, ils ont tourné le stérile, ils ont marché. Oui, ils sont en forme, ils sont là, asti de tabarnak. On passe à autre chose. Ouais. 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 Non. Non. Mais non. Mais non. OK. OK, bye. Mais non. Mais non. Mais non. Je suis en train de devenir fou, moi. Mai. Ça va? Mai. T'étais où hier? Dis-moi pas, tu sais pas, je dis moi que t'ont vu. T'étais où hier? À quel endroit, pas compliqué là, à quel endroit t'étais hier? J'ai du monde que je connais très bien qui t'ont vu, OK? OK, la question est très très simple là. As-tu recommencé à danser? C'est mon frère qui t'a vu, mon propre frère à moi. Oui, Jean, il t'a vu. Est-ce que t'as recommencé à danser? OK, OK. Là, m'a pogné les nerfs, là. Je m'a raccroché. On se parle plus tard, OK? Ma mère. Final. Bâton.